Dans le reste de l'actu, la CGT a voulu taper fort et mettre le doigt sur les conditions salariales au sein d'un restaurant de kebab. Ce matin, des syndicalistes accompagnés de salariés qui se disent lésés se sont postés face au restaurant situé devant la gare Lille-Flandre. Des salariés qui disent ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois. Une situation abusive, selon eux, qui toucherait principalement une cible étrangère en situation régulière, voire irrégulière. La gérante, quant à elle, a préféré tirer le rideau et fermer boutique à l'arrivée des contestataires. Certains employés affirment avoir été escroqués, même c'est le cas d'Aïcha, interrogée par Tanguy Lécluse. Ça fait plus de 4 mois. Ni mes salaires, ni mes heures supplémentaires. Non seulement j'ai pas été payée mes salaires, et je me suis fait escroquer. Et il m'a demandé de lui emprunter 10 000 euros. Mais vraiment, et avec assistance, je lui ai dit que je ne peux vraiment pas vous payer. Je ne peux vraiment pas vous prêter 10 000 euros. Mais j'ai plus que 5 000 euros sur mon compte et tout ça. Eux deux, sa femme, la gérante, et lui, ils ont vraiment insisté. Je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. Ils m'ont ramené à la banque. Je leur ai emprunté mon argent.